Pour me reposer. I went to Lyon for a week to get some rest. J'étais sur le lit et le Seigneur a commencé à me parler. As I was laying on my bed, the Lord started speaking to me. Et il me parlait du message de ce soir. And he was telling me about what I'm going to share with you tonight. C'est rare que le Seigneur me donne un message pour un grand programme comme celui-ci à l'avance. It's very rare for the Lord to give me a specific message for a meeting such as this one a few weeks in advance. Je crois que ce message fera l'objet d'un livre. And I strongly believe that this message will be contained in a book. I'll write a book about it. Ouvrez grandement vos oreilles. Please pay close attention. Matthieu 24. Matthew 24. Je peux avoir cette Bible-là? Verset 27. Verse 27. Écoutez très bien ce message. Please listen carefully to this sermon. Ça fait plus de 30 ans que je lis la Bible. It's been over 30 years that I've been reading the Bible. Mais je n'ai jamais compris ce verset comme le Seigneur me l'a enseigné à Lyon. And I've never understood the scripture the way the Lord taught it to me when I was in Lyon. Alors, ouvrez grandement vos oreilles. Please listen carefully. Ne laissez personne vous détourner de cette parole. Don't let anybody distract you from this word. Père, merci pour ta parole. Lord, thank you for your word. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be. Luc 17. Luke 17. Verset 24. Verse 24. Car comme l'éclair brille et resplendit d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. For as the lightning that flashes out of one part under heaven shines to the other part under heaven, so also the Son of Man will be in his day. Amen. Amen. Deux extrémités. Two extremes. Dans ce passage, il y en a deux. In this scripture, there are two of them. La première, c'est l'Orient. The first one is the Orient. L'Est. The East. Et la deuxième, l'Orient. C'est and, ça. Mm-hmm. La deuxième, c'est l'Ouest. The second one is the West. Et Jésus dit, and Jesus says, en fait, il se compare à un éclair. Jesus compares himself to lightning. Et là, pendant que j'étais sur mon lit, le Seigneur me dit, il commence à me parler de l'éclair. As I was laying on my bed, the Lord started talking to me about lightning. Il commence à me parler de son avènement. He started talking to me about his return. Enfant de Dieu. Children of God. Et vous qui hésitez encore de suivre totalement le Seigneur. And you who are still hesitating as far as nous following the Lord Jesus. Nous n'avons plus de temps. We no longer have time. Time is over. Nous n'avons plus de temps. Time is over. Jésus dit que son avènement Jesus is saying that his return
son apparition his coming forth sera comme l'éclair, comme un éclair. Will be such as a lightning. Alors, j'ai fait des recherches un peu pour comprendre un peu ce que c'est un éclair. And I did some research to try to understand what lightning was all about. Et je me suis aperçu que les éclairs vont plus vite encore que la lumière. And I understood that lightning goes faster than light itself. Et je me suis aperçu And I also found out que l'air qui est traversé par l'éclair that the air that is pierced by lightning en fait la température de l'air qui est traversé par l'éclair est plus grande que celle du soleil the temperature of the air that is gone through by lightning is greater than that of the sun. Et je me suis aperçu aussi que les éclairs, en fait, sont précédés par des tonnerres. And I also understood that lightnings are preceded by thunder. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que vous suivez? Do you follow what I'm saying? Regardez bien. Please listen carefully. Les tonnerres, vous savez que ça dans la Bible, hein? Thunder, you know it's in the Bible, right? Dans Apocalypse chapitre 10. In the book of Revelation, chapter 10. Jean a entendu combien de tonnerres? How many thunders did John hear? Sept. Seven of them. En fait, c'était des révélations, des grandes révélations que Dieu lui avait données. Those were great revelations that the Lord gave him. Et il voulait les écrire. And he wanted to write them down. Et Dieu lui dit non. L'ange lui dit non. Celle, c'est sept tonnerres. He wanted to write them down, but the angel told Suivez him très bien. To put a seal on them. Ne me demandez pas ce que Dieu te les a révélés. Non, c'est pas ça. Please don't ask me whether the Lord revealed them to me or not. That's ce que je veux besides vous dire. The point. But what I want to tell you. C'est que l'éclair, Yeshua, lightning, which is Yeshua, est en train Lord, de venir. He's returning. He's coming back. Et tous ceux qui vont voir cet éclair là. And all those who will see that lightning. Est-ce que vous savez combien de temps dure un éclair? Do you know how combien long a lightning lasts? Même pas une seconde. Not even a second. Un quart de seconde. One un quart. Fourth of a second, to be exact. C'est vite. It happens so Et fast. C'est plus qu'un clin d'œil. It's even faster than a winking. Ça veut dire quoi? A winking. Ceux qui vont partir à l'enlèvement. What does that mean? Those that will go in the rapture. Ce ne sont pas tous ces chrétiens que vous voyez là. Are not all the Christians that you see Ça va se passer tellement vite. It will happen so fast. Que ceux qui vont voir cet éclair là. That those who will see that lightning. Ce sont des personnes qui n'ont pas le voile mosaïque, le voile du péché sur elles. Are those that do not have the mosaic veil in front Écoutez of bien. Their eyes. The veil of sin Et on nous dit que cet éclair that lightning part de l'est goes from the east pour aller pour se révéler. Donc, en fait, le verbe se montrer ici signifie littéralement se révéler. The word to show here bien. Means to reveal. Literally. C'est pas un message pour tout le monde. This is not a word for anybody. L'éclair, Yeshua. The lightning, which is Jesus, commence par se révéler à l'est. Starts by revealing himself in the east. Et cette révélation va jusqu'à l'ouest. And the same revelation goes all the way to the west. De l'est à l'ouest. From the east to the west. Alors, si je me tiens comme ça, là. If I stand here. Là, c'est le sud. This is the south. Là, c'est le nord. And there is the north. Là, c'est l'est. Et là, c'est l'ouest. And the west to my left. Alors. En fait, l'Est, the east c'est l'Asie. Is Asia. L'Est, the east c'est Israël. Is Israel. Donc, ça veut dire quoi? What does that mean? L'éclair est censé apporter la lumière. Lightning is supposed to bring light. Et cette lumière And that light va aller jusqu'à l'Ouest. Écoutez bien. Will go all the way to the west. Donc, du soleil levant au soleil From the rising of the sun to the going down of the same. Vous comprenez? Do you understand what I'm saying? Écoutez. Please listen. Jésus parle à la femme samaritaine.
Jesus spoke to the Samaritan woman. Il lui dit, and told her, le salut vient d'où? Salvation comes from the Jews. D'Israël. From Israel. L'Est. The East. D'accord? All right. Ah. Le salut vient des Juifs. Salvation comes from the Jews. Alors, ne me dites pas frère, donc il faut faire un tour en Israël. En Israël, c'est pas ce que je dis. Please don't tell me, brother, should we go to Israel? Non. That's not what I'm saying here. L'église est née où? Where did the church get born? Elle est née où? Au Congo? Where? In the Congo? À Paris? In Paris? À Rome? In Rome? Alors pourquoi nous copions? Pourquoi beaucoup copient Rome? So why are so many people following what's being done in Rome? Écoutez. Listen. Nous sommes dans le livre, on est d'accord que les éclairs sont précédés par des tonnerres, on est d'accord. We agree that lightning are preceded by thunder. On est aussi d'accord que quand il y a des éclairs, il y a forcément de l'orage, en général, globalement. We also know de that la pluie. There's also okay. Thunderstorms and rain. Et là, je me rends compte effectivement que le retour du Seigneur sera précédé par une pluie. And there I realized that the coming of the return of the Lord will be preceded by rain. Une forte pluie. A great rain. Deutéronome chapitre 11. Deuteronomy 11. Écoutez très bien, on arrive quelque part. Please listen, we're going somewhere with this. Deutéronome 11. Deuteronomy 11. Verset 14. Qui peut nous lire ce passage-là? Verse 14. Who wants to read that verse for us, please? Quelqu'un va prendre le micro et nous lire à chaque fois. Nana, si c'est possible. Deutéronome 11, verset 14. Alors je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton vin et ton huile. Je mettrai aussi dans ton champ de l'herbe pour ton bétail. Tu mangeras et tu seras rassasié. L'Éternel donnera quoi? Yahweh donnera quoi? De la pluie. De la pluie. Il y en a combien ici? De la pluie de la? De la première et de l'arrière saison. Saison. L'arrière ou la dernière pluie. La première et la dernière. Écoutez bien. The two types of rains. The former and the latter rain. Donc quand Jésus dit when Jesus says que lors de son avènement when son avènement sera comme un éclair. It will be such as lightning. Il veut d'abord nous amener, nous dire que avant son retour, he's trying to tell us that before he returns, une illumination particulière sera donnée à l'Église véritable. There will be a great enlightenment being given to the true church. Lève-toi et sois illuminé, car ta lumière arrive. Ça, c'est le soleil. Arise and be enlightened, because your light has come. Jésus est en train de dire. The Lord is saying. Que avant l'enlèvement, un soleil va éclairer son peuple, pas tout le monde, mais son peuple. He's saying that before the rapture, there's a sun that will enlighten his people. C'est pourquoi. That's why. Vous pouvez combattre ce message. You can fight this message all plus you want. Plus vous attaquez, plus la foule viendra. The more you attack it, the more parce the que les enfants come. De Dieu commencent à être éclairés dans les nations parce qu'on n'a plus de temps. Il est minuit. Because the people of God all over the world are being écoutez, enlightened because we are out of time. Dieu dit, it's Dieu midnight promet on the clock of God. Deux pluies. The Lord has promised two rains. Celle de la première. The former. Éclair. Lightning. Tonnerre, éclair. Thunder. Pluie. Thunderstorms. La première rain, pluie. The first rain. La première, the former rain. La première. The former rain. Veut dire sa racine. Le mot pluie, le mot traduit par pluie en hébreu, a une racine qui veut dire littéralement semer, planter, jeter la semence. The Hebrew root means to cast a seed, to plant. La première pluie. The former rain. A permis à ce que la terre soit amoncelée, préparée pour recevoir la semence. Was sent to ready the earth to receive the seed. Et l'Église est née avec cette pluie. And the church was born with that rain. La semence a été plantée. The seed was planted. La dernière pluie. The latter rain. Le mot traduit par pluie dans ce passage de Deutéronome 11. The word translated by rain in Deuteronomy. Vient d'une racine que veut dire épi. Comes from a root that says recueillir. To fetch. Ou encore la moisson. The harvest. Donc Yeshua dit quoi?
What does the Lord Jesus say? Il dit avant l'enlèvement. Before the rapture. Beaucoup parmi son peuple, beaucoup de gens vont recevoir la révélation de Yeshua, l'illumination de Yeshua, et ils vont être cueillis comme ça. En fait, l'enlèvement, c'est la cueillette. Les anges viendront cueillir les fruits qui ont été arrosés par la pluie de l'arrière-saison, frères et sœurs. Alléluia! So, what the Lord is saying is that the rapture will be about people that are enlightened and ready by the rain that will be ready and be fetched by angels. Si quelqu'un te dit qu'il y a plus de miracles, fuis-le, quitte-le. If somebody ever tells you that miracles are from the past, please run. Si quelqu'un te dit que Dieu n'agit plus, sors de là. If they tell you that the Lord never acts anymore, please get out of there. Frères et sœurs. Brothers and sisters, c'est quoi l'enlèvement de l'église? What is the rapture of the church? C'est la cueillette des fruits. It's the harvest of the les fruits. Les fruits de Galates 5:22 arrivent à maturité et Dieu vient les cueillir. The fruits of Galatians 5:22 come to fruition and the Lord comes to fetch them. Les fruits ne peuvent pas atteindre la maturité, tout ça là. Si l'arbre n'est pas arrosé. Fruits cannot come to maturity unless the tree has been watered. Frères et sœurs. Brothers and sisters. Alléluia. Hallelujah. Écoutez très bien. Please listen carefully. Il y a l'Asie d'un côté. Asia on one end. Et l'Ouest, c'est quoi? C'est quel pays? What is the quel continent? What continent? Ah? Non, pas tout de suite. Le Sud, l'Afrique. South is Africa. L'Est, l'Asie, the East is le Asia. Nord, l'Europe, tout ça là. North, une Europe. Partie. Et l'Est, c'est quel pays? The East. C'est quel pays? What country is it? Quel continent? What continent? L'Amérique. Dis à ton voisin, America. L'Amérique. America. Regardez bien. Et Dieu me Please dit, mon fils. This. Il me dit, mon fils. The Lord told me, my son. Tu sais pourquoi le soleil va commencer à se lever dans l'Ouest, dans l'Est? Do you know why the sun shall start sur l'Est? The East? Sur rising, l'Est? Je dis will non. Rise on the East? First, il me dit parce que la troisième guerre mondiale va commencer à l'est. Because the third world war will start on the east. L'est. The east. Vous n'avez pas vu que tous les regards sont focalisés sur le Proche-Orient? Haven't you seen that all the Israel, the eyes Gaza, are set on la Palestine, the Middle Eastern region, Gaza. Palestine. Israël est une horloge. Every day, Israel is a clock. It's God's clock. Voyez, Jérusalem. Jerusalem. Est-ce que vous savez que Jérusalem est la seule ville au monde où, quand un enfant naît là-bas, on ne dit pas il est né à Jérusalem? Do you know that Jerusalem is the only city on the earth where, if a child Écoutez is born, they never say that a child was born there? Please listen carefully to this. Le soleil se couche à l'ouest. The sun sets Je sais, mais l'Ouest, il dit les Amériques, les États-Unis notamment, particulièrement. The Americas, the United States in Pourquoi? Particular. Why? C'est le sommeil. It's the slumber. Les États-Unis ont la mission de la part de l'ennemi d'endormir le monde. Because the mission given to the United States by the enemy is to put people into slumber. Écoutez très bien. Please listen carefully. On dort quand le soleil se couche, on est d'accord, non? We sleep when the sun sets. Vous avez vu l'église américaine? The American church. C'est cette église qui pollue les églises du monde entier. It's the one church that pollutes the rest of the churches all over the world. Vous allez aux Antilles, les pasteurs antillais veulent être comme les bishops américains. You go to the West Indies, everybody wants to look like the American bishop. Vous allez en Afrique, les pasteurs africains veulent être comme les pasteurs américains. You go to Africa, all the pastors want to look like the American bishops. Partout, vous allez voir, tout le monde veut être comme les grands pasteurs américains. Everybody all over the world wants to look like the mega pastors in America. Le rap est né dans le Bronx aux États-Unis. Rap music was born in the Bronx. Le R&B aux États-Unis. In the US. R&B in the US. Toutes les mauvaises choses là, ça naît là-bas. All those bad things have their roots in the US. Chez toi. Alléluia. Hallelujah. Vous voulez que je parle encore? Should I continue? Vous voulez pas que je parle? Should I stop right here? Même les Chinois, tout le monde en Chine veut manger McDo. Even in China, all the Chinese want to eat McDonald's. Vous avez vu? Do you see this? Frère, écoutez bien.
Please listen to this, brethren. En fait, c'est quoi les États-Unis? What is the L'Ouest. United States? What is the West? C'est des familles princières européennes essentiellement qui gèrent ce pays, la banque fédérale. Vous voyez, c'est une puissance terrible. It's royal European families that basically manage the United States, the Federal Reserve. L'Ouest. For one, the West. L'Ouest. The West. Vous allez à Londres. You go to London. Les pasteurs veulent être comme les Américains. Pastors want to look like the Americans. Vous allez en Belgique. You go to Belgium. Partout. All over. En fait, want to look like them. Israël a reçu la mission d'éclairer les nations, Israel le soleil levant, Israel was et les États-Unis, Satan s'en sert pour endormir les gens. But the U.S. is being used Je by the devil vous dire autre chose. To put everybody into slumber. La plupart des pays du monde sont gérés par les États-Unis. Most vous devez le savoir. Of the countries of the world are managed by the United States of America. La guerre nucléaire, c'est pour, là, c'est la troisième guerre mondiale. Là. Nous sommes à la fin, nous, chrétiens, nous sommes en train de partir. The nuclear war is at hand. We're almost at that point where the Lord is going to come and get us. Ce message que vous recevez ici et là. This message that you've been listening to. Le retour à la parole. The return to the word of God. Je précise, nous ne sommes pas le seul à le prêcher. We're not the only ones preaching it. C'est cette pluie que Dieu commence à déverser. This is that rain that the Lord has been spreading all over. C'est cette pluie qui commence à tomber. It's that rain that is starting to fall. Pourquoi? Why? Tu es l'arbre. You are that tree. Qui porte les fruits de l'esprit. That bears the fruits of the spirit. Et Dieu commence à t'arroser avec la dernière pluie. And God is starting to water you with the second rain. There are no three rains. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. The glory of the first house Il will be greater than that of the first. He's coming back to get a glorious church. Dis à ton voisin, la dernière pluie, c'est la gloire. Tell your neighbor that the last Dis-lui rain, encore, the c'est la gloire. Rain is the glory. Dis-lui, ce n'est pas l'onction, mais Tell c'est la gloire. Again, it's the glory. It's not the anointing, it's the glory. Alléluia. Alléluia. Regardez, veillez. Please listen. Veillez. You have to watch. Watch. Les gens arrivent à 6 heures. People come for all night prayer at 6 a.m. C'est pas seulement ici, hein? Vous ne voyez pas? Don't you see that there's something weird about this? Des jeunes qui courent, qui confessent leurs péchés, des choses terribles. People, young people running and confessing their sins, like terrible things that they've done sœurs, in the past. Brothers and sisters, écoutez. Please listen. Psaume. Psalms. Chapitre 84, verset 12. Chapter 84, verse 12. Vous voulez que je parle? Should I continue? Vous voulez que je partage la parole? Should I share the word? Vous êtes fatigué? Are you tired? Quelqu'un peut le lire, Nana? Can somebody read it? Psaume 84, verset 12. Car Yahweh Dieu est un soleil et un bouclier. Oh! Yahweh donne la grâce et la gloire. Et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Qui ne savait pas que Dieu est un soleil? Who didn't know that the Lord was a sun? Pas le soleil égyptien. Not the Egyptian sun. Qui ne savait pas? Who didn't know that the Lord was a sun? Yahweh est un soleil, est le soleil. Actually, he's not a sun, he is the sun. Donc, ça veut dire l'éclair là, c'est Lightning le soleil here qui arrive. Is the sun coming back? Frères et sœurs. Brothers and sisters. Je ne sais pas quels sont les liens qui peuvent résister à la chaleur du soleil qui est notre Dieu. I don't know what the bondages that are able to withstand. Hein? The heat of the sun. Oh, hallelujah. What they might be. Avant l'enlèvement. Before the rapture. Toutes nos chaînes tombent. Tous nos liens là, vont tomber all de plus en plus. Will savez pourquoi? Be, all our shackles will be broken. Les frontières, vous allez les dépasser. We will go past all the boundaries that we had in Je front of us. Je dis bien les liens de la religion, les liens du the, péché, the les liens of religion, oh l'adultère, oh la convoitise, oh la peur, covetousness, toutes ces chaînes fear, seront consumées par le feu du soleil levant, by the sun of the rising sun. Hallelujah. Hallelujah. Je veux dire à quelqu'un ici. I would like to tell someone here. Tu es comme cet ânon qui était attaché. You are like that donkey that was tied up. Pendant des années, on t'a empêché d'aller plus loin. For many years, they told you you could not go here and there. Pendant des années, on t'a dit que tu ne pouvais pas. For many years, they told you that you could not do this or the Mais other. Je veux dire à quelqu'un ce soir, But I would like to tell somebody tonight.
le feu du soleil, the fire of the, le feu the de sun, Dieu, the fire of the Lord, commence à consumer tous les liens familiaux. To consume all the bondages from family. Hallelujah. Shackles. Wow. Hallelujah. Dieu est un soleil. God is the sun. Luc chapitre 1. Luke chapter 1. On dit que Yahweh est le soleil, il est le soleil, on est d'accord, hein? C'est Yahweh. The Bible says that Yahweh is the sun, the rising sun. L'éclair. Lightning. La visitation du Seigneur. The visitation of the Lord. C'est comme un éclair. It's like lightning. C'est à toi de le saisir. You, it's up to you ne to take a hold of it. C'est demain, c'est maintenant. Don't push c'est it to tomorrow. Aujourd'hui. It's tonight or today or never. Take a hold of it. Car tu peux mourir demain. Because you might die tu tomorrow. Tu peux mourir après. You might die saisis, right after. Saisis l'éclair. Take a hold of the lightning. Yahweh est un soleil. The Lord is a sun. Luc chapitre 1. Luke chapter 1. Gloire à Dieu. Verset 78. Verse 78. Nana, tu peux le lire? Luc chapitre 1, verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc c'est un soleil qui se lève. This is a rising sun. He has visited us from le soleil levant veut dire aussi le soleil de l'est. It also means the sun coming from the east. On dit que Yahweh est un soleil. The Bible says that Yahweh is là, a sun. On nous dit que ce soleil-là nous a visité. And it says that the sun haut. Has visited d'en us haut. From qui parle above. Ici? Who's speaking here? Jésus. Qui parle oh. ici? Jesus. Non. C'est pas Luc qui parle. Qui parle ici? Who's speaking here? Non. Non, vous lisez la Bible, vous prêchez la parole. Zacharie qui parle. Zechariah, the prophet Zechariah is speaking here. Zacharie prophétise. Zechariah is prophesying. Il dit que le soleil levant nous a visités d'en haut. He's saying that the rising sun has visited us from above. Donc c'est un soleil qui se lève. Is the sun that rises? Job dit. Job says. Je sais que mon rédempteur est. I know that my redeemer lives. Et il va se. That he shall rise. Écoutez, please donc listen. Jésus est Yahweh. So Jesus is Yahweh. Qui est venu nous visiter. Who came to visit us. Écoutez bien. Quand il est né. When he was born. On nous dit qu'une étoile. It, the Bible says that there was a star. Marchait devant les sorciers. Was walking donc, in front of the magi. C'est un soleil qui marche. It is a sun that qui walks. Qui a des jambes. That has qui feet. Qui a des pieds. That has et il a dit la legs. Terre est son marche. It says that the world is its footstool. Je veux dire à l'église. I want to tell the church. Les hommes qui vous combattent. The men that are fighting sont vos against marche-pieds. You. Are your footstool. Je veux dire aux gens qui vous. And I want to send a message to the people that are against you. Je veux dire aux sorciers qui sont là. I want to tell the witches that are here. Je veux dire à mes détracteurs. I want to tell all the vous people that are against me. Vous êtes mes marche-pieds. You are my footstool. Oh. Frères, écoutez bien. Brothers, please listen to this. Un soleil. A sun. Qui peut marcher. That can walk. Non seulement il se lève. That rises. Quand ses enfants sont menacés, il se lève. When his kids are quand threatened, ses enfants he sont rises. Perdus, il marche. When they're lost, he walks. Quand ses enfants sont dans les ténèbres, il les éclaire. When they're in the darkness, he lights quand them ses up. Enfants sont enchaînés, il brise, il brûle when leur lien, bondages, leur chef. He comes and sets them free. Brothers and sisters, l'éclair arrive. The lightning is coming. Ce n'est pas buzz, l'éclair, mais c'est le véritable éclair qui arrive là. This is not a buzz type of lightning. This is regardez, a true lightning. Quand il y a des tonnerres et des éclairs là, qu'est-ce que nous faisons? When there's thunder and lightning, what do? We quand hide, Jésus don't va we? Venir là. When the Lord comes. Comme il est en train de venir. As he's coming. Satan. The devil. Les démons. Demons. Les sorciers. Witches. Les détracteurs. All les magiciens, frères, les francs-maçons, les rosicruciens, ils vont se cacher, frères et sœurs. They're all hallelujah. Gonna hide. Hallelujah. Wow. Regardez. Please look at this. Depuis 2000 ans,
Il est resté assis. It's been 2,000 years that he's been sitting on his throne. And the Bible says that he sits at the right hand. Mais comme il vient, because he's returning. Il est debout. He's le soleil. Ne sommes pas qu'il est debout. Debout, il marche. Not only is he standing up, but c'est he's also walking. On a plus de temps. That's why we are out of time. Dis à ton voisin, on a plus de temps. We're out of time. Tell your neighbor that. Regardez. Look at this. L'Est. The East. Regardez en Israël. Look at Israel. C'est l'apostasie. It's just apostasy. Israël plain qui and avait simple. Reçu la mission d'apporter l'éclairage, la lumière. They had received the mission to spread Israël the good est tombé news. Dans les ténèbres. They fell into darkness. Les ténèbres. Darkness. Apocalypse 16. Revelation 16. À partir du verset 12. Starting with verse 12. Jusqu'au verset 16. Through verse 16. Apocalypse 16, verset 12, jusqu'au verset 13. 16. Puis le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin de préparer la voie des rois venant du côté où le soleil se lève. Ah! Le sixième ange verse sa coupe sur quel fleuve? Le sixth angel. L'Euphrate. Et son nom? Tari. Pour préparer la voie de quel roi? Des cast, rois venant du côté où le soleil se lève. Ah. Cast his cap over vous comprenez Euphrates. Pourquoi Jésus va commencer par là? So you understand why the Lord will start from de l'Est à l'Ouest. And will go all the way to the West. C'est-à-dire, il va régler le compte de tous ces rois-là qui se sont levés là-bas. So he will take care of all those kings that have qui risen sont ces rois-là, in that area. À votre avis? Who are those kings? Les rois qui ask. Viennent de l'Est. Those are the kings from the East. La coalition. This is a coalition. Chine. China. Gog and Magog, Russie. Gog and Magog, et Russia. Et la plupart des pays musulmans. And many of the Muslim nations. Qui entourent Israël. That are around Israel. Ils vont attaquer Israël. They will attack Israel. La troisième guerre mondiale commencera par là. The third world war will start there. Voyez non? Do you see donc this? Jésus dit Jesus says qu'il va commencer par là. He will start in the east. Il est parti du ciel à partir de quelle montagne? From what mountain did he leave for heaven? Et il va revenir. It's the Mount of Olives. And alléluia. He will come down to that very mountain. Qui croit qu'il est Israël spirituel? Who believes that is the spiritual Israel? La Jérusalem d'en haut. The Jerusalem from donc, on high. Nous sommes de l'Est. We are from the East. Donc ça commence par nous. It starts with us. Le réveil commence par l'Église. The revival starts with the church. Le réveil commence par toi. The revival will start dis à ton voisin, je suis de l'Est. Tell your neighbor, you je are suis from de the, l'Est. I am from the East. Hallelujah. I am from the East. Ça commence par toi. It starts with ça va you. Toucher la Samarie. It will touch Samaria. L'Ouest, frère. Il y a un message prophétique pour quelqu'un ici. This is a prophetic message to someone here. Vous avez vu l'église? Did you see the church? Elle s'est endormie. Les églises sont endormies. It's in slumber. Vous avez vu? À minuit. At midnight. La lumière est arrivée. The light came. Voici l'époux. Here comes a bridegroom. De l'Est. From the East. Ça vient de l'Est. It will come from the East. Vous savez pourquoi on dit le retour à la parole? Do you know why we talk about the return cette to the truth vient d'où? Of the word? D'Israël. Where did the word come nous from? Nous rejetons la parole Israel. Qui vient de Rome. So we're rejecting the word coming from on a, Rome. On adore les from images. The Catholic Church. Nous rejetons la parole qui vient de l'Ouest. Graven images. C'est l'évangile de la prospérité. We rejecting on the word dit, coming vous from the bénis, West. Faux. Nous sommes the prosperity message. Alléluia. Pray and you shall be blessed. Nous no, that's not true. We're already blessed. We want the porte true word of God. Levez vos linteaux. Lift up your head, you heavenly gates. So the King of Glory may come in. Écoutez, écoutez. Please listen to this. Osée chapitre 6. Hosea chapter 6. Verset 3. Verse 3. Wow. Alors nous connaîtrons Yahweh et nous poursuivrons à le connaître. Mm-hmm. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Mm-hmm. Il viendra pour nous comme la pluie. Ah! Il viendra pour nous comment? Comme la pluie. Vous voyez? L'éclair, la pluie. As a rain. Comme la pluie de l'arrière-saison. Aha. Qui arrose la terre. Qui arrose la terre. Qui a besoin d'être first, arrosé? And then the former and the latter rain. Who wants to be watered? Vous avez vu? Les églises sont complètement sèches.
See, churches have been dried up. Les chrétiens sont secs. Christians are all dried up. Regardez sur YouTube. Look on YouTube. Ça prêche, y a pas la vie. They preach the gospel, there's no life. Ils disent bonjour aux frères et sœurs du monde entier, il y a trois connexions. They're greeting brothers and sisters from all over the world. They Hallelujah! Only have three connections. How do you explain that? Les pasteurs prêchent, il y a plus de guérison, miracle, il y a plus. Pastors are preaching, but they're no longer miracle healing. Tiens, ton voisin, il y a plus l'eau. There's no water. Ils disent Dieu ne parle plus. Oh, they say that the Lord doesn't speak anymore. Ils ne filment pas le public. Pourquoi? Vous savez pourquoi? They organize meetings and they don't. They don't record the people in attendance. They're dry bread. That's all they are. Je veux parler. I want to talk here. Ils ont remplacé Dieu par les statues. They have replaced the Lord Ils with heaven images. Ils ont remplacé Dieu par les costumes. They have replaced God Ils with ont suits. Fait des fédérations de pasteurs. They have created church avec federations. Avec costard et cravate, impudique voleur, cupide voleur, tout ça là. With suits and ties. They're in covetousness and they're in adultery. This, tell your neighbor that this pastor will talk again. If you're not okay with it, that's your problem. I don't care. Ils font des pasteurs congolais qui font des t-shirts avec la photo des pasteurs. Congolese pastors making t-shirts with a picture of the pastor on top of it. Vous voulez que je parle? Should I continue? Je veux dire aux prédicateurs ici. I want to tell the preachers here. Si vous prêchez qu'il n'y a pas le feu, arrêtez de prêcher. If you ever preach and there's no fire of Même si c'est moi qui vous ai formé, arrêtez. Please stop preaching, even if I'm the one who trained you. Allez vous mouiller dans l'eau. Please go get Allez water. Allez vous plonger dans l'eau. Please go, je parle encore. Go dip yourself into water. Je parle encore. Should I continue? C'est comme ça que je suis. That's just the way I am. Vous chassez un démon, le démon il dit je pars pas, arrête de prêcher. If you ever try to cast out a demon and the demon says no, I will not come out, then stop preaching. Jésus viendra comme quoi? The Bible says the Lord will come as a thief. Comme la pluie. I'm talking about Hosea. He will come as the rain. Qui a déjà été trempé par la pluie? Who has ever been wet by rain? Trempé d'eau comme ça là, hein? Soaking wet. Imagine maintenant que tu es trempé dans l'onction. C'est comme Can you imagine? Tu es né dedans. Being, on te prend, on te met dedans. Wet by the anointing, as the cartoon Obelix who was dipped into tu it. Tu chantes, y a pas l'onction. Arrête! If you sing and there's no anointing, just stop. Arrête! Just stop it. Pourquoi vous forcez? Why do you force it? Well, Dieu ne t'a pas établi prédicateur. Tu veux me prêcher? Tu es dans la dépression. Tu vois ta tête, tu es dans la dépression. The Lord did not call you to be a pastor. Just look at your face in the mirror. You look like you're depressed. Dépression. Tu as trouvé la dépression. You're depressed. Just stop. Il y a un pasteur en Belgique. Il a dit, il ne faut plus que j'aille en Belgique. Lui-même, on l'a attrapé. Il était en train de laver. Il voulait laver une femme avec du vin. There's a pastor in Belgium. Who had the nerve to say that I should no longer go to Belgium? But he was just caught trying to bathe the woman with wine. À Martinique. In West Indies. Un pasteur. I denounced the pastor. Le pasteur en question, il dit, il va à la télévision là-bas, il dit. And the pastor went on TV and ce said, monsieur, là, il va plus venir ici. This preacher should no longer come il dit, here. Dieu va me justifier. God will justify me. Parce qu'il était dans l'impudicité. Because he was Deux in adultery. Après. 2 weeks il y a later. Un scandale là-bas. Sa maîtresse l'a piégé. Oh Seigneur, elle a mis ça sur Facebook. His mistress filmed him and put it on Facebook. On repart encore aux Antilles. So we're going back to West Indies. Dis à ton voisin, ce monsieur est fou. Tell your neighbor that this man Il is fou, crazy. Jésus. He's crazy about Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Vous voulez que je parle encore? Shall I continue? Vous voulez que je parle encore? Shall I continue? Les évêques congolais sont allés au Vatican pour trouver la solution pour le problème politique de la RDC. Le pape ne peut pas résoudre le problème du Congo. Congolese bishops went to Rome to Le salut ne vient ni du Vatican, ni des États-Unis. C'est Salvation Jésus qui délivre Vatican, et Jésus seul. Only Jesus heals.
And him Tell alone. Voisin, il va parler ce soir. Tell your neighbor that this man will talk yet again tonight. De l'est à l'ouest. From the east to the west. De l'est à l'ouest. To the east to the from the east to the west. Mm-hmm. Écoutez. Please listen to this. La pluie. The rain. La pluie. The rain. La pluie. The rain. Tu la veux? Do you want it? Ah oui. Ah oui. Vous voulez la pluie là? Do you want the rain? Oui, oui. Regarde. L'église watch véritable. This. The true church. L'église véritable quand elle marche. The true church as it's walking. Dieu l'arrose. God is watering it. Il y a des éclairs autour. There are lightnings all over. Il y a des coups de tonnerre. There are thunder. Qui peut la détruire? Who can destroy it? Il y a un message pour toi. I have a message for you. Ézéchiel 43. Ezekiel 43. Écoute bien. Listen to this. Il y a un message pour toi. There's a message for you. Ézéchiel 43. Ezekiel 43. Non, à partir du verset premier. So, starting with verse 1. Puis il me ramena à la porte. À la porte? À la porte qui était du côté oriental. Ah, la porte qui était de quel côté? Oriental. Oh. So he brought me back to the door that was towards the east. On a dit de quel côté? Oriental. On n'a pas dit du côté des États-Unis. Not towards the United States. Oh, Vatican. Not the Congo, not the Vatican. Dis à ton voisin, Israël. They said the east. Israël. That means Israel. On continue. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Oh! La gloire s'avance d'où? De l'Orient. So where did the glory of the Lord come from? The east. Est-ce que vous comprenez ici? La gloire s'avançait de l'Orient. Hein? The glory was On continue. Coming forth Sa voix from était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Sa voix était comment? Pareille au bruit des grandes eaux. La voix de qui? Du roi des rois. Là, selon les Écritures, là. Du Dieu d'Israël. Du Dieu d'Israël. Sa voix était comment? Des grandes eaux. So the voice of the God of Israel was like the voice of many waters. Vous êtes fatigué? Non. Are you tired? On va revenir sur les eaux là. Allons d'abord voir la voix. We'll come back to the waters. Let's go look at the voice. Regardez comment Ézéchiel décrit la voix du Dieu d'Israël, comme le bruit des grandes eaux. Listen to how Ezekiel describes the voice of the God of Israel, like the voice of many waters. Apocalypse. Revelation. Chapitre 1. Chapter 1. Nana, s'il te plaît. Sister Nana, please. Vous aimez la parole? Do you love the word? Vous avez faim? Are you hungry? Alléluia. Hallelujah. La révélation de verset 1. Non, on va lire à partir du verset 10. Starting with verse 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. OK. Et j'entendis derrière moi une voix forte. OK. Comme le son d'une trompette. Mm-hmm. Qui disait: Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. I'm the alpha and the omega. Le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie, à savoir à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors je me retournai pour voir celui dont la voix m'avait parlé et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Ah! Sa voix était comment? Comme le bruit des grandes eaux. How was his voice? Like the voice of many waters. C'est la description de qui ici? Whose description is this? De qui? Qui croit que c'est Jésus? It's the description of Jesus. Sa voix Who est believes comment? It? Comme le bruit des grandes eaux. Comme le bruit des grandes eaux? The voice of many waters. Et Ézéchiel a dit que la voix du Dieu d'Israël était comment? Comme le bruit and des grandes eaux. And Ezekiel said that the voice Jésus of the God of Israel, like the voice Dieu of many waters. D'Israël. So Jesus Alleluia. Is the God of Israel. Hallelujah. Wow. Attends. Donc la parole. So the word. C'est un bruit.
It's like a noise. C'est un bruit. It's like the noise. Pas n'importe quel bruit. Not just any kind of noise. The noise pas of many waters. Mais des grandes eaux. Of many waters. Ça veut dire quoi? What tu does ne that peux mean? Pas avoir la parole. You cannot have the word. Et manquer d'eau. And lack water. Tu ne peux pas avoir la parole. You cannot have et the word. Et manquer la pluie de la dernière saison. And lack the latter rain. Hallelujah. Hallelujah. Frère, est-ce que tu comprends? Brother, do you understand what I'm saying here? Est-ce que tu comprends ici? Do you understand what I'm saying? Est-ce que tu comprends ici? Do you get la parole qui est donnée là. The word that is given here. Ceux qui la reçoivent avec leur cœur. Those that receive it with reçoivent their heart. L'onction facilement. Receive the anointing easily. Et ce soir. And tonight. Cette nuit. This it is une very onction nice. Qui est libérée. There's an anointing that is being il y a une onction fraîche. There's a fresh anointing. Que tu n'as jamais expérimenté. That you've never experienced before. Que tu vas commencer à expérimenter désormais si tu es sincère. That you will start experimenting on if you are truthful to yourself. On ne va nobody plus shall recognize you anymore. Regarde. Look at this. The water. Tu as vu? Do you tu see vu? This? Do you see tu this? Aidez-les. Please help them. L'église. The church. C'est des ministères de puissance. Ministries of power. Des ministères de miracles. Ministries of miracles. Des prophètes. Of prophets. Des prophètes. Prophets. Des prophétesses. Prophétesses. Des prophétesses. Prophétesses. Les voici-je. Les voici-je. See them right here. Les voici. Les voici. Les voici. Here they are. Aidez-les. Aidez-les. Please help them. Aidez-les. Help them. La pluie. The rain. La pluie. The rain. Ça vient de l'Orient. It comes from the east. Ça vient de l'Orient. It comes from the east. La parole pure. The pure word of God. Ce message. This message. Renverse le message que tu as reçu des hommes. Is taking over the message that you received from men. Tu reçois ce soir. Tu reçois l'évangile du ciel. What you receive tonight is the gospel from heaven. En fait. In fact. Ce que tu n'as pas compris. What you didn't understand. Ce que l'est. That the east. C'est Jérusalem. Is Jerusalem. Mais l'est spirituel. But the c'est la Jérusalem east du ciel. The heavenly Jerusalem. Le it's ciel. Heaven. Et l'ouest. The west. Prophétiquement, c'est toute la terre. Prophetically, is a whole world. Donc la lumière d'en haut, le soleil d'en haut. The sun from on high. Vient visiter la terre actuellement avec ce message. Comes and visits the earth through this message. C'est un message prophétique. It's a prophetic message. Footballeur. Soccer player. Musicien. Musicians. Tous ceux qui sont destinés au ciel. Those who are destined to rich, go to heaven. Pauvre. Rich, poor. Arabe, noir. Muslim. Blanc. Arabs. Métis. Black. Chinois. Mix. Indien. Chinese. Petit. Asian. Grand. Homme. Big or small. Femme. Tous ceux qui sont destinés au ciel. All those who are destined to heaven. Receiving their heart. Ce message-là. This message. Vous allez commencer à chasser les démons comme jamais auparavant. You will start casting out demons as never before. Il y a une gloire. There's a glory. Une onction. There's an anointing. Il y a un feu. There's a fire. Au Gabon. In Gabon. Une onction nouvelle. A new anointing, a fresh anointing. De délivrance. Miracles, deliverances. After your return to Gabon. Dieu me dit le Gabon, Alain, des morts vont commencer à ressusciter. God is telling me for des you, morts. Brother Alain. Des morts. The dead shall des rise. Morts. The dead shall rise. Oh, Simon, prépare-toi aussi. Brother Simon, get ready. Je vous dire quelque chose qui se passe là. Let me tell you what's going l'est. On right here. The east. L'est. The east. C'est le ciel. It's heaven. Le ciel. Heaven. Tout don parfait. Every perfect gift. Toute grâce excellente. Every grace. Descend excellent grace haut. Comes from above. Du Père de lumière. From the Father of light. Ah! Hallelujah. Chez lequel il n'y a ni ombre de variation. In which there is no shadow ni of turning. Il ne change pas. He never changes. Il a guéri hier.
He healed yesterday. He heals today. He will heal again tomorrow. He's the same yesterday, today, and forever. Jesus. Il est le Dieu d'Élie. He is the God of Elijah. Ici. There are many Elijahs in here. L'esprit de est ici. The spirit of Elijah is in L'esprit here. The spirit of Elijah. L'esprit de vérité. The spirit of truth. L'esprit de confrontation. The spirit of confrontation. L'esprit de guerrier. The spirit of warriors. De combattants. Of de messagers. De messagers. Of messengers. Prisca, les femmes t'attendent. Prisca, women are waiting for you. They're waiting for you. They're waiting for you. Mon peuple, my people. Je viens te visiter. I'm coming to visit Mon peuple, you. My people. Je viens te réveiller. I'm coming to Mes wake soldats, you up. My guerriers, soldiers. My warriors. Guerriers, my warriors. Je viens vous parler. I'm coming Depuis to speak ciel, to you. Depuis le ciel, from heaven. Je te parle. I'm talking to you. Je te saisis. And I'm je getting a saisis. Hold of you. I'm getting je a hold saisis. Of you. Tu me serviras. You will serve tu me. Me serviras. You will serve tu me. Me serviras. You will serve tu me. Me. Serviras. You will serve me. Tu vas gagner des milliers d'âmes. You will win thousands of souls. Thousands of des souls. Milliers d'âmes. Thousands of souls. Pour mon royaume. For my des kingdom. Milliers d'âmes. Des milliers d'âmes. Des milliers d'âmes. Des milliers d'âmes. Thousands of souls. Oh. Thousands of souls for my oh. kingdom. Oh. Des milliers d'âmes. Thousands of souls. Je le vois derrière vous. Thousands des milliers of souls. Je le vois derrière vous. I des see them d'âmes. Behind you. I see them behind you. Thousands of souls. C'est le feu. I see le the fire. Feu. C'est le feu. Fire. Celui qui te combattra. Who, Dieu va le rencontrer. Whoever will fight against you, God shall meet him. Je suis Yahweh. I am Yahweh. Je suis Yahweh. I am Yahweh. Je suis Yahweh. I am Yahweh. Dis le Dieu du ciel. I am the God of heaven. Je ne change pas. I never change. Mon peuple. My people. Je veux te justifier. I want to justify Je you. Je veux te justifier. I want to justify you. Je combats pour toi. I am fighting for Je you. Je combats pour toi. I am fighting for you. Ma fille. My daughter. 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 L'armée de Dieu est debout. The army of the Lord has risen. L'armée de Dieu est debout. The army of the Lord has risen. Tu vois, tu ne peux plus t'asseoir normalement. You can no longer sit down as before. Tu ne peux plus t'asseoir normalement. You can no longer sit down. L'éclair. Lightning. L'éclair. Lightning. Dieu fait de toi un éclair. God is making Dieu a lightning de toi out un éclair. Of you. God is making Personne a lightning ne peut out te of saisir. Nobody Personne can ne peut get t'arrêter. A hold of you. Nobody can Personne stop ne you. Peut t'arrêter. No one can stop you. Personne. No one. Laissez les éclairs. Let the lightning Laissez go les forth. Let them go Laissez forth. Les éclairs. Let them go Laissez forth. Les... Let go Laissez them. Les... Let them go forth. Les voici. Here they are. Laissez-les courir. Let them run. Laissez-les courir. Let them run. Laissez-les courir. Let them run. Sur le feu. The fire. Le feu. The fire. Le feu. 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 Fire. Laissez-les. Let go of them. Let them go. Vous allez marcher pour Dieu. They shall walk for the Lord. They shall walk for the Lord. Marcher pour Dieu. They will walk for the Lord. Marcher pour Dieu. You will walk for the Lord. Pour Dieu. You will walk dans for les the Lord. Trains, dans les cars, dans les métros, in the, dans les bus, the train station, partout. In buses, all over. Dites-leur que l'éclair arrive. Tell them that the lightning is coming. Dites-leur qu'il arrive. Tell them that lightning is coming. Jésus revient. Jesus 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 is coming. Il revient. He's coming. C'est moi qui t'ai appelé. I'm the one who called you. C'est moi qui t'ai appelé, mon fils. I'm the one who called you, my C'est son. C'est moi qui t'ai appelé. I'm the one who called Des you. Des milliers d'âmes sont derrière. Million, Des milliers d'âmes. Des milliers d'âmes. Souls are Avec behind ta femme. You. With Avec your wife. Femme. Together with Je your wife. Je mets un appel prophétique sur vous.
The Lord has placed a prophetic anointing, a calling over you. Nations are waiting for you. C'est moi. I'm the one. Ta famille me servira. Your family shall serve me. Ma fille, je t'aime. My daughter, I love je you. T'aime. My daughter, I love you. L'heure arrive pour toi. The time has come for you. Je te parle comme tu voulais que je te parle. I will speak to you the way car you want me connais. To talk to you. Because car I know you. Because I know you. Oui, Sabine. Dieu t'appelle Déborah. God is calling you. Déborah. Dieu t'appelle Déborah. Déborah. God is calling you, Deborah. Jesus. Jesus. Dieu me dit. God is telling me. Je reviens chercher mes enfants. I'm coming to get my children. Les enfants de Dieu vont rentrer à la maison bientôt. The children of God are soon to go home. Oh, 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 oh. Et de là, et de là, et de là, et de là. Help her. Il y a une gloire là, there's a glory. Il y a la gloire là, il y a la gloire là, la gloire là, la gloire là. There's a glory over her. La gloire arrive ici là. The glory is coming. Wow. Vous savez ce que je vois là? Do you know what I'm seeing? Dieu m'a donné une vision là. God just gave me a vision. J'ai vu une grande salle. I saw a great dedans. Room. And inside. J'ai vu beaucoup de couronnes. A lot of different crowns. Ce sont les vainqueurs. The ones ici. That are overcomers. Qui vont les porter. That are going to wear them. Les vainqueurs. Overcomers. Les vainqueurs. Overcomers. Les vainqueurs. Overcomers. Les vainqueurs. Overcomers. Overcomers. Help them. Les vainqueurs. Overcomers. Wow. 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 Vous avez vu? Do you see this? Vous avez vu autour du trône? Around the throne. Et dans le trône? And inside the throne. Il y a des éclairs. The lightnings. Vous avez vu quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï? Did you see when the Lord came down to the Mount Sinai? Et le coup de tonnerre. With thunder. Des éclairs. And lightning. Et il descend aujourd'hui. And then he's coming down today. Je veux te dire. I want to tell you this. N'aie plus peur. You should no longer be afraid. Personne ne peut te toucher, toi qui crains no Dieu. No one personne. Can touch you if you fear the Lord. Je dis bien personne. No one, I say. Personne. No one. Personne. No one. Personne. No one. Personne. No one. Tu sais pourquoi tu pleures? Do you know why you're crying? Tu sais pourquoi tu souffres? Do you know why you're suffering? Parce que Dieu te fait porter des fruits. Because the Lord is causing you to bear fruits. Tu sais pourquoi tu te sens seul? Do you know why you feel alone? Parce qu'il t'arrose. Because he's watering you. Plus il t'arrose. He's watering you. Plus les saletés s'en va. The more he's watering you, the more the dirt is coming out. Il te débarrasse. De la saleté. He's ridding you of all the dirt. De la mauvaise compagnie. Of all the bad company. Des faux frères. Of the fake brothers and il sisters. Te sépare de Lot. He's separating you from il Lot. Te sépare de tes amis. He's setting you free il from t'isole. Friends. He's isolating you. On te critique. People will criticize on you. On te lapide. They will stone you. Mais ne fais pas marche arrière. But don't you look back. N'abandonne pas la foi. Don't you stop. Bientôt nous allons partir. Soon we shall leave. On va partir. We're getting ready to leave. Adèle, on va partir. Adèle, we're getting ready to leave. Une porte est ouverte devant toi. A door is open in front of you. Lucas, Naomi partiront, serviront le Seigneur, Dieu te dit. Lucas and Naomi will serve the Lord. Ils sont scellés. They have aucune been sorcellerie sealed. Sorcellerie ne peut les toucher. No witchcraft shall ever touch them. Aucune sorcellerie. The Lord has heard your prayer. Oh. No witchcraft shall ever touch them. Vous avez vu? Did you see this? Comme un éclair. As a lightning. Va l'attraper. We'll va l'attraper. Get a hold of it. Try and get a hold of it. C'est seulement ceux qui sont de la nature de l'éclair qui vont saisir. Only those of the same nature will be able to get a hold of it. C'est pour cela quand l'église est née. That's why when the church was born. Des langues de feu. Tongues of fire. Se posèrent sur chacun d'eux. Were set on top of all le those feu. That were in the upper room. Le feu. The fire. Qui peut le saisir? Who can touch it? Tu es une boule de feu. You are a ball of fire. Qui peut te saisir? Who can get a hold of you? Hein?
Tu vois, non? Do you see this? Oh, il y a quelqu'un ici. There's someone here. Il y a quelqu'un ici que Dieu encourage. There's someone here that God is encouraging. Il y a quelqu'un ici que Dieu encourage. There's someone that God is encouraging. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Église. Church. Réjouis-toi. Be Chrétien, glad. Réjouissons-nous. Christians. Be glad and rejoice. Because the wedding supper of the Lamb is ready. Nous partons, nous sommes sur le départ. We are getting ready to leave. Nous sommes sur le départ. We are getting ready to leave. La troisième guerre mondiale est là. The third world war is at hand. Les ténèbres sur la terre. Darkness règne all over the earth. Partout. Raining all over. Mais sur toi la lumière arrive. But above you, tu ne vois the pas ça. Light tu ne vois pas. Is shining. Tu avais fait marche arrière. Don't you see it? You look back for but a while. Tu es revenu pourquoi? But you came back. Why is that? Tu es de la lumière. Because you are from the light. C'est le retour des fils prodigues. It's the return of the prodigal sons and daughters. Les enfants de Dieu reviennent à la maison. The children of the Lord are coming back to his house. Parce que tu n'as pas le choix, mon frère. Because you have no choice in the matter. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Your name has been written in the Lamb's book of life. Bénissons nos ennemis. Let's bless Prions our pour enemies. Nos ennemis. Let's pray for our enemies. Mais nous partons, nous sommes sur le départ. And we're ready to leave. Qui veut partir? Who wants to leave? L'apostasie règne. Apostasy is taken over. Des chrétiens qui disent que Dieu n'agit plus. Christians saying that the Lord no longer acts. Il y a même des prédicateurs qui ne croient pas que Jésus-Christ est ressuscité. And some preachers even no longer believe that Jesus was risen from the dead. Je n'ai pas d'autre message. I have no other message for you. Mon message, c'est Jésus. The only message I have is Jesus. Mort et ressuscité. Dead and risen. Il est beau. He's beautiful. Oh, si tu voyais ses yeux. If you could ever see his eyes. Oh, ma sœur. My sister. Il t'aime. He loves you. Si tu voyais ses cheveux. If you could ever see his hair. Regarde cette porte qui est ouverte. Look at this open door. Et le roi sort. And the king is coming forth. Quelle démarche. Look at his walk. Il t'a toujours aimé. He's always loved you. Il ne te condamne pas. He's not condemning you. Mais il te dit, lève-toi et viens vers moi. He's simply telling you, rise up and come to me. Abandonne le péché. Let go of sin. Abandonne le monde. Let go of the world. Il n'y a pas d'autre porte que Jésus. There's no other door but Jesus himself. Je t'en supplie. I beg you. Aucune église ne peut te sauver. No church can ever save you. Je ne peux pas te sauver. I cannot save you. Aucun homme ne peut te sauver. No man can save you. Aucune religion ne peut te sauver. No religion can ever save you. Viens. Come. La porte est ouverte. The door is open. Toi qui étais découragé. You who were discouraged. Blessé par des chrétiens. Hurt by Christians. Lève-toi. Please get up. Relève-toi. Get up. Relève-toi. Get back up. Nous sommes face à l'éternité. We're facing eternity. Nous sommes 7 milliards sur terre. There's 7 billion people, 7 billion of us on this earth. Et c'est sur toi que tu as posé ses yeux. And you're the one that the Lord chose. He says his eyes on you. Tu pries à ses yeux. You have a price in his eyes. Abandonne ta vie actuelle, s'il te plaît. Please Viens. Let go of your current life. S'il te plaît, c'est le salut qui est Please, devant I beg of you. Viens à Jésus. Eternity is at hand. Je t'en Come supplie. To Jesus. Je t'en supplie. I beg of you. Je t'en supplie. I beg of you. Tu mourras un jour. You shall die one day. Jésus revient. Jesus is coming. Il m'a dit à mon peuple, je reviens. He told me to tell his people that he's coming Beaucoup de soon. Chrétiens ont des songes sur le retour de Jésus-Christ. Many Christians have dreams and visions about the return of the Lord. Je pleurais sur la RDC. I used to cry over the Democratic Republic Il m'a dit, of the Congo. Ça va s'empirer dans le monde entier. And he told me that things will get worse all over the world. Il m'a dit, tu n'es pas terrestre. He told me that you're not from this earth. Ta patrie est céleste. Your nation is on high. S'il vous plaît. It's in heaven. Entrez au ciel. Please S'il come into heaven. Entrez au ciel. Please come in. Venez. Please come. Venez. Come. Venez. Come. S'il vous plaît. I beg of you. N'hésitez plus. Don't hesitate anymore. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Don't postpone it to tomorrow. C'est maintenant. It's today or never. L'éclair arrive. The lightning is coming. De l'est à l'ouest. From the east to the west. Regardez. Please look at this. Que ton travail ne t'éloigne pas du Seigneur. Don't let your work keep Souviens-toi you from the Lord. Quand tu t'es converti. Please remember your Souviens-toi. First love when you were first converted. Si je devais faire marche arrière avec tous mes combats.
If I could ever go back with all the battles that I go through. Que deviendraient tous ces gens-là? Just think of what all those people would have become. On m'insulte, je continue. They cast me out, on me blesse, I keep going. Je continue. They hurt me, I keep preaching. Il faut continuer à faire ce qui est juste. You need to keep doing what's righteous. Comment ça va se passer pour toi? How will it happen with you? Toi qui dis, j'attends encore. You who say, well, I still have time, I'll wait. S'il te plaît. Please. Tu risques de le regretter toute l'éternité si jamais tu meurs avant. You might end up regretting for eternity if you end up dying sooner than that. Il y a une sœur que je connaissais. There's a sister that I used to know. Que j'aimais beaucoup. That I used to love. Elle a donné naissance à un enfant. She gave birth to a child. Elle a eu des problèmes pulmonaires. And she had problems with her lungs. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. And she went to the hospital. Elle est morte. And she died. Mes frères, mes parents. My brothers, my parents. Nous ne sommes pas éternels. We are not eternal. C'est maintenant qu'il faut saisir l'éclair. It's now or never that we should get a hold of lightning. Sanctifie-toi. Please sanctify yourself. Bat-toi pour le salut. Fight for salvation. Ferme tes oreilles. Please close your, shut your eyes to all the criticism. Avance. Just keep going forward. Choisis tes amis. Choose your friends carefully. Ne subis pas l'amitié des gens qui peuvent t'éloigner du Seigneur. Choisis-les. Do not be a victim of the friendship of people, but choose your friend rather carefully. Tu as fait le bon choix. You made the right choice. Pour finir. And in the end, cet homme, I'd like to say this. Sortait du temple. This man was coming out of the temple. De Jérusalem. Of Jerusalem. Et il avait de l'eau au niveau de cheville. And he had water up to his ankles. Il a continué sa marche. And he kept walking. Il a eu de l'eau au niveau des genoux. And he came up to his knees. Il continue sa marche. He kept walking. Au niveau des reins, il a eu des os. Up to his kidneys. Il continuait sa marche. He kept walking. Et il ne pouvait plus marcher. And he could no longer il a walk. Commencé à nager. He started swimming. À se laisser entraîner par les courants. And he let the current take over him. C'est l'objet de mon livre. This is what my book is all about. Psaume chapitre 1er. Psalm 1. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Blessed is the man that does not walk in the counsel of the wicked. Tu trompes ta femme. You cheat on Dieu your wife. God sees it. Tu risques de mourir et aller en enfer. You might end up dying and going to hell. Et dire pendant l'éternité, ah si je savais, Seigneur, s'il te plaît, renvoie-moi sur terre, c'est and trop tard. And you'll be crying for eternity, oh Lord, if I had known. Combien de fois tu as entendu la vérité? Combien de fois tu as péché? How often did you hear the truth? How often did you sin? Pourquoi Dieu va nous assembler comme ça, nous rassembler comme ça? Why would the Lord gather all of us like this? Juste pour entendre des belles voix? Just to listen to beautiful voices? I don't think Gabon, so. Gabon, Togo, Antilles, Gabon, plusieurs West pays. Indies, Togo, c'est many message. Countries. Because this is the time, it's the season for this message. C'est le message. This is the message. Jésus revient. Jesus is coming. Quand j'ai vu comment il m'a fait écrire ce livre. When I saw how he got me to write this book. En moins de 7 jours, j'ai tapé, j'ai peaufiné. Merci en tout cas à Adèle pour son soutien et Sarah et d'autres frères et sœurs. In less than 7 days, I was able to finish it up. Jésus thank revient. You to Adèle and Sarah for the support and help. Jésus revient. Jesus is coming. Ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ. Those who want to give their life to Christ. Recevoir le baptême. Levez les mains. Who want to be baptized, please raise your hand. Courez ici, venez. Please run to me. Wow, magnifique Seigneur, magnifique Jésus. Wonderful Alléluia, gloire à Dieu. Wonderful oh Dieu travaille, Dieu touche les cœurs. Dieu attire les âmes dans son royaume, frères et sœurs. Jésus revient. Jesus is coming. Venez, même vous qui êtes loin là-bas, venez. Come, even those of you that are far. Magnifique Père. Wonderful is the Father. Magnifique. Wonderful. Wow. 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 Wow.
Wow. Wow. Hallelujah. 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 Regardez-moi toute cette foule d'hommes et femmes qui rentrent au ciel, frères et sœurs. Acclame Dieu, acclame Dieu. Give the Lord a hand. Wow. Oh, Jésus. Wow. Oh. Mon Dieu. Regardez-moi, venez, venez à Jésus. My God, take a look at this. Venez. Come to Jesus. Come. Venez. Come. Venez à mes côtés par ici, venez par ici. Come this way. Mais est-ce que vous vous rendez compte du réveil? Do you? Frère, vous vous rendez compte du réveil? Can you start to fathom the type of revival Jesus. We're in? Oh! Non mais ça mérite, Dieu mérite vraiment les acclamations, frère. He deserves the applause. Jesus. Jesus. Seigneur. C'est toi, regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Hey! Mon Dieu, mon Dieu. Amen. Il n'y a pas de mots. There's no way to express this. Vous pouvez vous asseoir, vous qui êtes là. You may be seated. Et ça, on va dire que c'est le diable. Who can dare say that this is of the tout devil? Ça, this is the work of the devil. All these people here. Tout ça, mes amis. Regarde, ça continue à venir, ça continue, come on, ça friends, continue. They keep coming. Mes amis. Non. Arrêtez de tromper les gens. Please stop lying to people. Ah, Jésus mérite vraiment qu'on chante un cantique. The Lord deserves for us to sing a great song. Les frères et sœurs du Gabon. Brothers and sisters from Gabon. Le chant là, tu sais de tout à l'heure là, c'est quoi là déjà? Please sing that song. What is that song again? Le frère là qui a reçu le chant qui est resté là tout. C'est mon cœur. Allez, on y va ce chant là. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ça pleure là parce que c'est beau. Please moi, sing this. La moisson. It's a beautiful song. Vous avez vu, people regardez. Are crying. This is a harvest. Mon Dieu. My God. Mon Dieu. My God. Les frères et sœurs du Gabon, on va chanter ce chant là pour la gloire. Il y a une fête au ciel. Hein. Brothers and sisters, on va fêter avec les anges. We'll sing that song. There's a party in heaven. We'll vos noms sont écrits là-haut. For eternity. Your names Jesus. Have been written in the Lamb's Book of Life. Jesus. Oh, Jesus. Oh Jesus. Oh mon Dieu. Ça c'est le plus grand miracle. Hein? This is the greatest miracle of all.
commencé à te ressembler. Depuis le commencement de mes jours, jusque dans l'éternité, je ne connaîtrai personne qui soit comparable. Suivez-le. Oh, on acclame le Seigneur pour leur vie. Wow. Un micro pour le jeune homme là. Who's happy to be here? Hey, c'est la moisson là. This is the harvest. Wow. Wow, wow. Tu veux dire quoi, jeune homme? Bonjour. Bonjour. Je vais essayer de faire vite. Déjà, c'est dur pour moi de parler devant tout le monde parce que je suis très timide d'origine. En fait, si aujourd'hui je décide de me baptiser, c'est pour remercier Jésus vraiment parce que j'ai pris conscience, en fait. Je vais reprendre depuis le début. J'ai failli perdre la vie plus de 4 fois du haut de mes 24 ans. Waouh. Première fois, j'étais avec des amis, on était 6 dans une voiture. Déjà, c'est pas normal. Accident. La voiture était pillée côté conducteur. Grâce à Dieu, personne n'a été touché. Deuxième fois, la mère de ma fille m'a porté 4 coups de couteau. Waouh. Dont un qui a traversé mon bras et qui s'est planté dans mon ventre. Par la grâce de Dieu, aucune de mes veines, ni mes muscles, ni mes os ont été touchés. Si c'est pas Jésus qui m'a sauvé ce jour-là, dites-moi qui c'est. Deuxième accident de voiture, j'ai tapé le pare-brise, un verre s'est planté dans mon cou, rien de plus qu'une égratignure. Pourtant, j'étais pas attaché et la voiture était encore pliée pour une deuxième fois. Et la dernière fois, en fait, ça fait presque un mois que je décide de me tourner vers Dieu et je pense que le diable l'a senti et elle a fait ressurgir tous les problèmes que j'ai pu avoir dans ma vie. Et il y a une semaine, jour pour jour, j'ai tenté de mettre fin à mes jours.
J'ai honte de ce que j'ai fait, mais Jésus a encore remis sa main sur moi et à mon réveil. À mon réveil, la première chose que j'ai voulu faire, c'est donner ma vie pour Jésus. Et depuis samedi dernier, j'attends ce moment avec impatience. Gloire à Jésus. Levez-vous et acclamez Jésus, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est la gloire de Dieu. This is the glory of God. Ça, c'est la gloire de Dieu. This is the glory of God. Ça, c'est la puissance de Dieu. This is the power of God. Ça là, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Only God can do these things. Personne d'autre. No one else. Il attendait impatiemment. He comme was waiting. Ici. He couldn't wait for tonight. Comme ceux qui sont là qui veulent confesser leurs péchés publiquement. As many here that are waiting to qui veulent renoncer their au péché. Sins publicly. They want to renounce all Dieu. Kinds of sins. This is God at work. Ça, c'est Dieu. This is God.